Allez, salut tout le monde, c'est Lazare Production, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une énorme vidéo, là, une grosse vidéo, car une toute nouvelle mise à jour Minecraft vient juste de sortir. Donc c'est juste incroyable, donc c'est sur Xbox et sur PS3. Si jamais vous l'avez pas encore fait, je vous invite dès maintenant à lancer votre Minecraft sur Xbox ou sur PS3, parce que ça s'annonce vraiment à être une grosse mise à jour. Aujourd'hui on va donc la présenter, je serai en compagnie de Dutch. Salut Dutch. Wesh tout le monde. Donc premièrement on a un tout nouvel accueil, donc que je trouve voilà un peu moche, mais bon c'est pas grave, il reste quand même assez sympa. Donc on a d'un côté les mondes chargés et de l'autre les mondes créés et les mondes qu'on peut rejoindre. Donc déjà je vais m'inviter à une partie et on va pouvoir voir ensemble les nouveaux objets, les toutes nouvelles choses qui ont été ajoutées à cette mise à jour. Donc c'est parti. Apparemment on est dans un monde que Dutch a déjà créé, je crois, c'est ça? C'est un monde que j'ai fait hier soir, que je voulais te montrer. J'ai fait plein de tutos, Ah ouais, c'est sympa. Ouais, donc vu qu'on va regarder les mecs, donc les nouveaux ajouts. Donc déjà quand on appuie sur start. Mon mec, regarde. Ah et bah du coup vu que je suis pas l'autre de la partie, je vais pas pouvoir voir les nouveaux trucs, non? Attends, je te mets modé. Attends. Vas-y, mets mon modérateur. Donc on va vous présenter toutes les nouvelles choses. Mec, on peut choisir le mode de jeu. Ouais, alors attends. Alors en même temps, je vais regarder ce qu'il y a. Parce que voilà, j'ai en même temps sous les yeux, voilà, toutes les nouvelles choses qu'il y a eu, tout simplement. Donc, premièrement, alors attends, on va commencer dans l'ordre. Alors, on va juste commencer. Donc, on va. Attends, casse les. Fais-moi juste les droits de casser les blocs. Enfin, mets-moi tous les droits, s'il te plaît. Et on va commencer à montrer. Alors, vas-y, mets-moi les droits de casser les blocs. Voilà, on va essayer. Alors, premièrement, donc, il y a eu. Attends mec, j'ai envie de faire dans l'ordre, coucou ouais. Donc attends, déjà on va faire dans l'ordre. Donc déjà en appuyant sur start, non en appuyant sur back, option de l'hôte. Oh là là, on a plein de nouvelles choses. Alors premièrement on peut définir si c'est le jour ou la nuit. D'accord. On peut définir la difficulté si c'est pacifique ou le mode de jeu créatif ou survie. Ça c'est super cool. Du coup on aura plus besoin de relancer la game pour pouvoir aller en créatif. Donc ça c'est super cool. Ah et on peut définir le point d'apparition du monde, donc ça aussi c'est super cool, ça franchement c'est vraiment super cool. Météo, ciel dégagé, donc on peut, il y a ciel dégagé, pluie ou orage, donc ça c'est plutôt cool. Cycle météorique, putain des mondes, ça change pas, donc du coup c'est plutôt cool. Par contre, ouais ça marche super bien, c'est vachement cool. Et on peut régler carrément, en fait c'est comme sur PC, c'est vraiment super cool. Donc, on a des nouveaux blocs, donc on a intégration de tous les types de bois. Donc je vais vous montrer. Les nouvelles barrières. Oh là 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 là, alors il y a beaucoup de nouvelles choses. Donc premièrement regardez les mecs, donc on a les nouvelles barrières. Donc on a la barrière en bois, la barrière en sapin, en bouleau et en bois tropical. Donc déjà alors les gars on a tous les types. Attends, non mais laisse-moi faire, tu vas voir. Donc déjà on a les barrières. Ensuite on a bah, voilà, comme a dit les portillons, donc tu peux les placer devant aussi. Dans l'ordre, enfin ouais bien devant. Donc on a voilà les différents portillons, pareil, super simple, super sympa. Ensuite. On a des nouvelles portes, donc pareil les portes qui sont dans l'ordre, donc vas-y Dutch je te laisse les mettre. Voilà donc on a la porte en bois, on a la porte en bois tropical, c'est celle-ci, la porte en bois de bouleau et la porte en sapin. Donc pareil, 4 nouvelles portes, super sympa, voilà. Est-ce qu'il y a de nouvelles choses au niveau des escaliers? Non je ne crois pas. À droite, oh là 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 là, regardez-moi ça, il y a des nouveaux verres. Alors on va tous les mettre, alors c'est les verts teintés, donc ça c'est, oh là 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 là, c'est vraiment super cool. Alors attends, on va les mettre dans l'ordre, tout simplement. Oh là 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 là, alors ça vraiment, ça c'est une grosse mise à jour les mecs que j'attendais. N'hésitez pas à faire péter les pouces rouges et les partages les mecs pour cette mise à jour. Non, faites péter les pouces verts, pardon, faites péter les pouces verts et les partages les mecs, partagez vraiment à tous vos amis. Ça serait vraiment super super cool les mecs pour qu'un maximum de gens soient au courant voilà, de cette nouvelle mise à jour qui je rappelle est sur Xbox et PS3. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser dans les commentaires, j'essayerai de répondre à tout le monde. Donc voilà, je vais remplacer. Il y a aussi donc les vitrails, vas-y je te laisse parler Dutch. En fait le truc c'est que hier j'ai fait des tutos et je me suis dit putain si demain il y a la mise à jour là ouais. Tu sais j'ai fait des tutos et j'ai dû changer certains blocs. Ouais. Bah maintenant c'est cool du coup parce que ça va pouvoir nous donner de grandes possibilités maintenant de construction. Vas-y va voir l'hélico, c'est l'hélico qui s'est posé, j'ai pu changer vite, ça rend trop style. Ouais j'arrive. Alors tac et tac. Voilà. Donc regardez déjà là on a plein de nouveaux blocs comme ça. Alors on va voir du coup maintenant au niveau de la redstone, au niveau de la redstone, il n'y a rien qui a changé. Au niveau des matériaux non plus, au niveau de la nourriture non plus. Des outils et des armes. Alors comme dit, je crois qu'on a.
Le livre, tu l'as trouvé où le livre Dutch? Ah, tu l'as trouvé à la fin. Donc dans diverses, on a livre et plume. Donc ça c'est vraiment ce qui est super cool. Parce que regardez maintenant, en faisant un petit clic gauche dessus, voilà, on a des pages. Et donc regardez, on peut carrément écrire dedans. Donc voilà, par exemple, on peut écrire un petit message. Voilà, comme par exemple, abonnez-vous. Voilà. Voilà, on peut mettre carrément sa signature. Voilà, c'est super cool. Attends, je vais essayer de mettre ma signature. Attention, une fois les dédicacés, il ne pourra plus être modifié. Ok, donc ça c'est super sympa, vraiment. Pour les serveurs, voilà, ceux qui veulent, voilà, par exemple, faire des livres de règles, par exemple. Genre, oh, bienvenue à mon serveur, voici les règles à respecter. Et dans le livre, en fait, vous marquez toutes les règles, donc ça peut être plutôt sympa. Et donc, Dutch qui a changé les vides de son adjoint, regardez comme ça rend classe. Ça rend beaucoup plus classe, hein. C'est vrai que c'est super sympa. Ah, tiens, voilà, et là, regarde, là ça rend encore plus classe. Ah ouais, c'est vraiment super cool cette mise à jour. Le truc qui me... Donc voilà, on va vite récapituler tout. Donc il y a des nouveaux blocs, donc tous les types de bois. On a des barrières et des portillons. Voilà, donc on a tout ça de nouveau. On a... Par contre, faudrait juste que t'excuses les gens qui rejoignent Dutch. Oula. Excuse les gens qui rejoignent Dutch. Donc c'est des abonnés, voilà, petite dédicace à eux. Mais voilà, faudra peut-être les exclure, Bogiel, là, on fait une vidéo. Donc voilà, donc on a, comme j'ai dit, donc... des nouveaux blocs, des nouveaux portillons. Au niveau du gameplay, on a la possibilité de changer la météo, de changer ou d'activer l'artisanat manuel, de possibilité de changer de mode de jeu et de difficulté en cours de partie, possibilité de personnaliser la génération des mondes super plats. Donc ça, je vais le montrer juste maintenant. Donc je vais quitter la partie Dutch juste pour montrer aux gens ce que ça fait. Donc vous pouvez maintenant créer un monde super plat, par exemple, que avec de la neige ou que avec quelque chose. Donc je vais vous montrer. Donc on va créer un nouveau monde. Donc là, regardez, déjà, ce qui est super sympa, c'est qu'ils ont rajouté, donc là, survie créative, ça va pas changer. Et si vous avez dans plus d'options, voilà, donc là, regardez, ce qui a changé, c'est plutôt sympa. Vous pouvez faire personnaliser le monde super plat. Donc pour cela, vous faites monde super plat, puis personnaliser le monde super plat. Et donc, regardez ce que vous pouvez faire, c'est juste super cool. Alors, soit vous faites des blocs d'herbe, donc un bloc de terre couronné de gazon se prélève à l'aide d'une pelle, sert de matériau de construction. Donc, soit vous faites que des blocs d'herbe, que de terre, que d'aluminium. Soit vous faites que de plaines, que de déserts, que de forêts, que de jungles, que de marais, que de collines extrêmes, que de océans, que de océans glacés, que de glaces planes, que de taïga, îles aux champignons, nether, fin. Et donc voilà, donc là il y a plein de biomes et d'en propriété, donc je découvre en même temps que vous. Hein. Donc vous pouvez activer ou pas les villages, vous pouvez définir donc la taille du monde, si c'est un monde grand ou un monde petit. Ça c'est quoi? Espacement, 512 mètres, 528 mètres. Oulala, ça je sais pas du tout ce que c'est. Ah, le nombre de blocs attendus entre deux villages voisins. Ah d'accord, donc c'est en fait c'est le nombre de blocs qu'il y a entre chaque village PNJ. Donc ça c'est plutôt cool on va dire. Parce que du coup voilà, si vous voulez par exemple plein de villages PNJ les uns à côté des autres, par exemple. Et bien voilà, maintenant, regardez, vous pouvez, donc 712 mètres, 728, voilà, vous pouvez mettre, je crois, jusqu'à 1000, voilà, jusqu'à 864, donc c'est plutôt mal. Ensuite, vous pouvez choisir, donc, les conduits de mines abandonnées, donc vous pouvez augmenter ou pas la probabilité, donc, de tomber sur des mines abandonnées. Donc ça, voilà, c'est super cool. Les forts, pareil, vous pouvez activer ou pas les forts. Donc les forts, c'est de vastes complexes souterrains constitués d'un dédale de couloirs sombres qui renferment le portail de l'Ender. Donc si vous voulez, c'est l'endroit où il y a le portail de l'Ender. Là, vous pourrez affronter donc le dragon de l'Ender. Et donc vous pouvez définir vraiment le nombre de portails de l'Ender, voilà, forcément, qu'il y aura dans le monde. Si mais par exemple vous voulez faire le dragon de l'Ender, voilà, plusieurs fois, par exemple, je sais pas, si vous voulez le faire 3 fois, et bien vous mettez le nombre 3. Et pareil, espacement, donc si vous voulez, voilà, qu'il soit vachement rapproché, ou si vous voulez, voilà, tout simplement qu'il soit assez éloigné, donc 864 mètres le plus possible. Donc voilà. Sinon on peut mettre éléments spécifiques au biome, donc pareil, édifice qui varie d'un biome à l'autre, temple de la jungle, pyramide dans le désert, cabane de sorcière dans les marais. Donc ça pareil, vous pouvez choisir si elle se rapproche ou pas. Vous pouvez choisir s'il y a des donjons et des petites salles pavées recouvertes de mousse qui contient un générateur de monstres. Alors ça pareil, vous pouvez dire s'il y en a ou pas. Pareil pour les décorations, donc touche définition du monde, variable d'un biome à l'autre, veines de marais, fleurs, herbes, longues, rangs, champignons, canne à sucre, nénuphars et cactus. Donc si jamais vous voulez pas qu'il y ait de nénuphars, de cactus, de fleurs et tout ça, si vous voulez pas vous faire chier, par exemple, à aplatir un terrain parce qu'il y a trop de pousses d'herbe dessus, ce que vous faites, voilà, vous mettez, vous décochez ça, et voilà, ça vous mettra ça vous mettra vraiment pas de, comment ça s'appelle, pas de mauvaises herbes. T'en penses quoi, toi, de cet ajout, Dutch?
franchement, c'est exceptionnel. Voilà, après on peut aussi savoir les lacs. Il y a pas beaucoup d'objets, mais c'est franchement exceptionnel. Il y a aussi les lacs, donc étendue d'eau répartie à la surface du monde. Donc pareil, si vous voulez aucun lac, par exemple, ou aucun lac de lave, voilà, exactement, là, vous pouvez simplement choisir. Donc c'est vraiment super cool. Là, pour le coup, je suis vraiment, voilà, super, voilà, GG à... GG, tout simplement, à Microsoft, voilà, super monde. Enfin, super mise à jour, pardon, voilà, là, donc... À la limite, voilà, ce que je reproche juste un peu à ce mode, c'est l'accueil, voilà, que je trouve un peu moche quand même. Mais bon, c'est pas grave, ça rend quand même le monde super sympa, voilà. Ça rend quand même le monde, voilà, ça rend quand même l'accueil très, 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 très joli. Donc voilà, moi j'espère que cette grosse mise à jour, voilà, vous aura plu. N'hésitez pas, comme j'ai dit, à faire péter les pouces verts pour cette mise à jour, là. Dutch, est-ce que tu pourrais me réinviter, s'il te plaît? Comme ça, je peux te... Enfin, comme ça, on peut terminer sur, je ne sais pas, voilà, encore une dernière petite présentation des blocs. Donc voilà, en tout cas, voilà, j'espère que toutes ces nouvelles mises à jour, enfin, tous ces nouveaux blocs, voilà, vous aura plu. Normalement, je crois qu'il y a un petit récapitulatif dans les paramètres, faut juste que je trouve où. Non, c'est pas là. Mec, on a loupé un truc. Oui. Là, on a aussi une nouvelle trappe de fer. Ah, une nouvelle trappe de fer, bah vas-y, bah invite-moi du coup. Invite-moi. C'est un monde à pote, en fait. T'es sur le monde de qui? De Preda ou de Kissy? Ok, donc je rejoins. Voilà, c'est bon, je suis là, donc on va vite fait. Du coup, bah, présenter, bah, apparemment, il y a encore... Ah, regardez, déjà, il y a un temple. Donc voilà, donc comme j'ai dit avant, si vous augmentez la probabilité, comme j'ai dit, donc des temples, bah, voilà, vous aurez la chance, là, de tomber sur ces superbes temples. Donc pour ceux qui ont la chance de tomber dessus, je sais pas si vous êtes déjà tombé sur un temple comme ça. Voilà, ils sont vraiment super beaux ces temples, moi personnellement, c'est ce que je trouve vraiment super beau. Vous avez des petits codes, voilà, avec des petits leviers. Et je crois, voilà, vous avez des quelques pièges comme là, et un coffre à la fin, avec des petits cadeaux dedans, donc voilà. Donc apparemment, il y a des nouvelles trappes, on va voir ça, je vais juste ressortir à la... Mais la trappe de fer, je crois qu'elle y était déjà. Non, pas en fer. Ah, la rose, ils ont changé, la rose. Ah, attends, ah oui, mais là, je crois qu'en fait, il a mis un monde que en jungle. C'est vachement stylé. Ah, regardez, donc là, par exemple, il a mis un monde que en jungle. Enfin, presque que en jungle, en fait. Et vous voyez, ça rend vraiment super classe. Si on fait que de la jungle, regardez comme c'est beau. Mon Dieu. Oh là 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 là, c'est magnifique. Vraiment, là, je... Waouh. Je découvre avec vous, vraiment, c'est magnifique. Alors, du coup, on va voir la nouvelle trappe. C'est dans quoi, du coup? C'est dans quel... Ah, là. Et donc la trappe en fer, bah voilà, c'est cool, mais je crois qu'il y était déjà, je suis pas sûr, mais je crois qu'il y était déjà. Non, elle y était pas. Bon, apparemment, elle y était pas, ok. Bah c'est cool du coup, on a plein de nouvelles choses. On va voir du coup apparemment s'il y a des nouveaux disques, non, apparemment non. Des nouveaux feux d'artifice, non. Des villageois, bon ça, c'est bon, ça y était déjà. Bah du coup, c'est cool. Donc, voilà, n'hésitez pas à faire péter les pouces vers les mecs pour cette nouvelle nuit. Mise à jour, voilà. Excusez-moi. Bon voilà, n'hésitez pas à faire péter les pouces verts les mecs pour cette nouvelle mise à jour. Bon, en tout cas, j'espère donc que cette vidéo là vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit partage pour montrer, voilà, à tous vos amis cette nouvelle mise à jour. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.